Bienvenue à vous à São Paulo, dans ce magnifique outil, ce superbe écrin qui est l'Allianz Park, le stade de Palmeiras. Et voici donc le FC Barcelone contre le FC Barcelone. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tullet pour commenter cette rencontre. Merci Grégoire, on en a parlé ensemble avant le match, on espère assister à une belle rencontre. Et c'est donc parti. Allez Darren, un petit pronostic, qui sera l'homme du match? Lionel Messi, bien sûr. On a du mal à trouver... Suarez! Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Maintenant, le centre. Non, ça manque d'application. Le ballon sort en touche. Sergio Busquets pour trouver la faille dans la défense. Il glisse le ballon en profondeur. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était une action digne de son talent. Il s'est retrouvé sans solution, aucun mouvement, aucun soutien autour de lui. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Qui est le premier sur ce ballon? Ballon intercepté, ça soulage la défense. Bien joué ça! Piqué. Barcelone qui récupère ce ballon. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Le jeu repart vers la droite. Oh Messi! Nelson Semedo. Le ballon sort en touche. Dans la profondeur. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Il file vers le but. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Premier corner dans cette rencontre. Et un nouveau corner. Gardien est là, pas de problème. Rakitic. Oh, il espérait ce ballon. Oh, Luis Suarez. Il tente de la jouer dans l'espace. On reprendra par un 6 mètres. Jordi Alba. L'arbitre signale une faute. Les gestes mal maîtrisés, logique cette sanction, carton jaune. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué long, attention. Joli passe lobé. Il est tout seul. Oh la frappe! Le but pour Barcelone! Quel geste! C'est sublime! Terrible pour le gardien! Et surtout, quel toucher de balle! Ce lob est parfaitement ajusté! Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré! Messi! Il a pris tout le monde de vie! Messi! Ah, il a failli en profiter! Un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque. C'est bien joué. Nelson Semedo. Oui, c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. Un ballon intéressant. Non, il était hors jeu sur cette passe. Il est peut-être signalé hors jeu sur ce coup-là, mais... Luis Suarez, le bougre, ne se laissera pas abattre pour autant. Il va continuer encore et encore.
Il est passé. Oh, voici Dembélé. Dembélé qui cherche une solution. Il joue dans l'espace. Hors jeu. Ouh là là là, c'est juste, juste, il est quasiment sur la même ligne. Umtiti. Il passe en retrait au gardien. Rakitic. Le bon dribble. Oh, Messi! En retrait pour repartir proprement. Il décide d'allonger le jeu. Luis Suarez. Oh, Messi! Il file dans l'axe. Seul face au gardien. Il tire. Rakitic. Oh, il a bien vu son coéquipier. C'est une frappe. Oh, c'est loin du cadre. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Ils ont une autre chance. Oh oui! Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Oh, l'opportuniste! Et quelle efficacité! Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Il glisse le ballon en profondeur. Jordi Alba. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Il tente de la jouer dans l'espace. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Finalement, ils n'ont que 2 buts de retard. S'ils arrivaient à marquer rapidement, ça pourrait tout changer. Vous allez voir. Quelle occasion, attention! Bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt, fine save. Messi. La passe dans la profondeur, c'est bien fait ça. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée. Allez, jusqu'au bout. Le poteau. Piqué. Sergio Busquets, Paulinho, qui a de l'espace. C'est osé, bien servi. Iniesta, Vermaelen, quelle solidité, bien joué.
Il préfère jouer avec son gardien. Umtiti. Sergio Busquets. Oui, c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. C'est joué long, attention. Dans l'espace, Suarez. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. On sait de quoi il est capable. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Ah, c'est mal joué, ballon perdu. Il glisse le ballon en profondeur. Messi. Oh, le petit ballon piqué. Non, il est signalé hors jeu. Ils prennent des risques en défendant très haut comme ça, mais le hors-jeu est bien signalé. Piqué. Iniesta. Il était bien présent. Sergio Busquets. Encore un changement possible. Ils attendent sans doute le bon moment. Umtiti. Sergio Busquets. Oh, Luis Suarez. Sergi Roberto. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Iniesta qui écarte le jeu. Il joue en profondeur. Ça sent la frappe. Oh, Messi! Va-t-il en profiter? Magnifique, ça passe. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampon. Un long ballon vers l'avant. Iniesta, qui a un peu d'espace. La passe dans la profondeur. Dembélé. Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Suarez! Et pourtant, c'était un caviar au départ. Il y a vraiment des boulevards dans la défense. Il va falloir régler ce problème. Jordi Alba, qui cherche la profondeur. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Titi. Paulinho. Alors qu'on est à la 80e minute de cette rencontre. Pour trouver la faille dans la défense. Le ballon est repoussé. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Iniesta. Ah, les carottes sont pas loin d'être cuites là. Il va falloir peut-être un petit miracle. Ouverture vers le poteau de corner. C'est joué long. Il tente la frappe. Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Mais c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très très compliqué. Ah, il avait laissé l'avantage, mais il lui met un carton quand même pour la faute précédente. Umtiti. Jordi Alba. Sergio Busquets. Vermaelen. Il joue dans l'espace. Il est à 10. Messi. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Quelle balle en profondeur. Super vista pour trouver son partenaire. Sergio Busquets. Iniesta.
C'est bien donné. Messi. À la régulière, il est battu. Joli tacle. Allez, c'est dangereux. Oh, quel bel arrêt. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. La parade, magnifique! Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Une défaite, c'est dur, bien sûr, mais ils peuvent être fiers de leur prestation aujourd'hui. Ils ont vraiment livré un match de très haut niveau. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Et je trouve qu'ils ont été trop vulnérables dans l'axe de la défense. Pour moi, ce sont leurs faiblesses dans cette zone qui...